En Grèce, des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants venus rendre hommage au rappeur Pavlos Fissas, assassiné il y a tout juste 4 ans dans ce quartier du Pirée près d'Athènes par un sympathisant du groupe néo-nazi Obdoré. 5 personnes ont été blessées. Le rassemblement avait commencé pacifiquement avec en tête de cortège la famille du rappeur. Les gens doivent se rappeler ce qui est arrivé à Pavlos, dit son père. Les gens doivent se battre et réaliser ce que signifie le fascisme. C'est le meurtre de Pavlos Fissas qui a déclenché le procès contre Obdoré qui a débuté en 2015 et doit s'achever fin 2018. La détention provisoire de son assassin qui a avoué le meurtre a pris fin. Nous manifestons contre les néo-nazis, contre Obdoré, dit cette manifestante. Notre objectif principal est de se battre contre eux et de les mettre en prison pour leurs crimes et leurs assassinats. Nous voulons aussi la fermeture de leurs locaux. 4 ans après le meurtre de Pavlos Fissas, le procès est toujours en cours et les membres d'Obdoré sont libres. La famille de la victime réclame justice. Από το Κερατσίνικα, το Euronews, Μιχάλης Αραμπατζόγλου.